Depuis branché sur internet là dans jour ça yo ou pas capable attendre parler de frère Josué Pierre. C'est lui même qui a fait actualité dans jour ça yo. D'après observation PAM, il a parlé de frère Josué Pierre pour deux raisons. Premièrement, c'est un prédicateur, un serviteur de Dieu qui a prêché de vibrant message côté que en pile monde édifié, en pile monde béni. Deuxième raison qui c'est principal là, eh bien, c'est parce que frère Josué Pierre gen apparence yon timoun. Li gen apparence yon mineur. Visage li paraît tant que visage yon timoun. Ça attire attention en pile moun. Donc, moi même tout m'dal pote curiosité, l'aime tande j'en parler de lui. Entendez pour eux. Si à partir de là, je fais et puis je viens de rappeler de Mounzaio. Ça, c'est Gary Coleman, un acteur américain. Je suis joué jouer série télévisée dans les années 80. Je suis très populaire. Malheureusement, il mourit à l'âge de 42 ans. Monsieur lui-même, c'est Moyombo. Monsieur fait Belgique, mais c'est un Africain. So, monsieur, c'est un comédien. Monsieur chante et tout. Ok, monsieur a 28 ans là, actuellement. Monsieur lui-même, c'est un Nigérien, Osita Iyeme. C'est un acteur, monsieur gagne un nom qui est plus populaire là, qui c'est Pau Pau. C'est non salte gagne comme nom artiste. Monsieur joue en pile feuilleton tout, en pile film africain. Monsieur te gagne brillant mol qui te couru, etc. Mais il dit que monsieur va mourir vrai. Monsieur gagne 40 ans actuellement là. Finalement, la belle, la jolie Shauna Rae. Shauna Rae, c'est un Américain lui-même. Actuellement là, il gagne 22 ans. Il était fait normal, mais pendant les petits bébés, il a eu un cancer qui était venu développer dans le cerveau. Après opération, eh bien, il était tout venu gagner problème, trouble de croissance. Ça, il vient pas développer normalement, Jean que t'a doué développer. Il a une apparence scientifique de 8 ans. Moun sa nous montrer nous là, c'est pour nous dire que c'est pas seulement frère Josué Pierre qui compte ça dans le monde. Ou jouen jan de moun sa yo dans toute société dans le monde là. Ce sont des gens qui victimes de yon anomalie quelconque dans sens ça. Eh bien, m'bral essayer expliquer nous exactement de quoi il en est. Tout d'abord, taille yon moun li varie en fonction de plusieurs facteurs. Premièrement, on nous parle de facteurs génétiques là. Li dépend de race ou sorti la donne, de aligné qui ou sorti ya. Deuxièmement, li dépend tout de l'âge moun. Troisièmement, li dépend de pays moun nan fait la donne, de pays que moun nan li grandi. Et li dépend de sexe moun nan. C'est pour nous dire que chaque population gagne yon marge de limite yo. À observer pour considérer si un monde de petite taille ou bien non. Donc, leur dépasser limite inférieure là, vient considérer comme étant un monde qui anormalement petit. Ça fait sens, pas vrai? L'essentiel qui t'aime dit nous que croissance un monde li reflète et ta santé moun nan. Parce que le plus souvent, le moun nan gagne trouble de croissance, gagne yon maladie en bas qui empêche moun nan li développer. Ça reflète tout santé famille moun nan, parce que depuis pas gen yon maladie quelconque nan aligné famille que moun nan sorti ya, et bien après tout moun bien développé normalement. Bref, c'est une petite parenthèse, mais l'essentiel m'te vle di nou que genye trois catégories de problèmes qui à la base de troubles de croissance. Premièrement, genye les maladies chroniques, par exemple maladie chiliaque, intolérance au gluten. Na fontira les souli talè. Deuxième catégorie, perturbation hormonale. Par exemple, yon déficit en hormone de croissance, ça y aurait les growth hormone en anglais. Ou bien tout, il y a un trouble au niveau de glandes thyroïdes, hypothyroïdie par exemple. On a parlé de yon nan yo tout à l'heure. Troisième catégorie, trouble de croissance d'origine génétique. Par exemple,
la chondroplasie. N'a fonti râler sous sa talon. Donc, c'est une maladie, ça, le plus souvent, qui fait que vous jouez des catégories de monde, ça, qui victime dans une société donnée, y compris notre frère compatriote, Josué Pierre. N'a pas parlé de l'innocence, ça, c'est pas dans une mauvaise intention du tout, mais c'est plutôt pour nous aider la population, hein. Comprendre de quoi il en est, étant donné que frère Josué Kouniala, c'est un superstar qui gagne un yeux fixé sur lui. Donc, qui sa maladie ça oui exactement? Premièrement, nous voulons parler de maladie chiliaque là. C'est une maladie que moun nan gagne nan triple. Côté que triple moun nan pas capable de supporter gluten. C'est ça yon le titripio, intestin grêle. Qui pral exige yon diet spécial. Côté que moun sa ou encore si moun sa pas ka manger n'importe bagay du tout. Donc, kounya la, li vin pa ka absorbe fer, li vin ge karans en fer, li vin ge karans en calcium, li vin ge karans en vitamine. Donc, ou ka gen tan comprend que tout bagay sa yo manke, eh bien, ti moun sa pa kapab développer normalement. Voilà, ça c'est yon nan maladi ki empêche yon croissance normal. Et puis, si vous avez toujours gen ventre fait mal, surtout l'el manger, sale patate manger qui gagne gluten là-dedans. Mais espérez que nous clair sur ça. Ça, c'est un exemple. Yo. Deuxième exemple, déficit en hormones de croissance, growth hormone. Eh bien, j'en ai dit là, donc c'est hormones qui permettent ou développer, eh bien, qu'on gagne sacré les déficit de hormone ça. Et bien ça fait ça, c'est parce que glande qui baille hormone ça, qui c'est hypophyse ou bien y aurait le tout glande pituitaire qui situe exactement dans zone dans cerveau qui relie celle thyroïde, glande ça li kon perturbé. OK, li kon gagner yon problème quelconque. Son glande qui tellement important, moun ki konnen yo rele le glande maîtresse, parce que li joue rôle dans plusieurs organes dans tout corps. Donc lorsque gen yon problème de ce genre qui passe côté que hormone de croissance là li pa vini en quantité jan que li doit vini, et eh ben automatiquement moun sa li vin victime de troubles de croissance. Ça fait sens pour nous, pas vrai? C'est qui ça qui est capable de faire glande ça avec un problème là? Faut me dire nous que dans la majorité des cas, on n'a pas qu'à joindre raison. On veut attribuer à raison héréditaire. Cependant, dans plus que 25% des cas, on finit par découvrir des raisons qui à la base de problème là, que on va confirmer après les éliminer le diagnostic. Maintenant, troisième catégorie. Nous voulons parler de achondroplasie. Bon, lui-même, c'est une forme de nanisme, c'est-à-dire que maladie d'origine génétique qui cause moun qui naît. Ma attire attention pour me dire que c'est pas tout le monde qui de petite taille qui s'est né. Par exemple, frère Josué Pierre, pas yon né. Né yo, yo gagné caractéristiques pâles. D'ailleurs, il y a plus que 250 formes de nanisme. Côté que yo même visage yo reflété l'âge yo qui différent de cas frère Josué Pierre avec l'autre monde que me présente nous yo tant Gary Coleman tant que Sharon Harry ou après monde ça yo même visage yo paraît tant que visage yon petit monde. Donc né li différent de situation ça, ou encore c'est pas tout trouble de croissance qui c'est né. Me voulez nous mettre ça dans tête nous bien. Donc, néant, li capable yon sujet à part pour nous parler de li très vaste. J'aime so di nou gen plus de 250 formes de nanisme. Encore une fois, c'est pas seulement frère Josué Pierre qui est victime de troubles de croissance dans le monde. Et encourager moun qui dans entourage nous, abonner ensemble avec page yo pour nous capable grandir plateforme nan pour capable encourager nous. En résumé, frère Josué Pierre, c'est un monde qui est normal, qui est seulement victime de un trouble de croissance. Je pense que nous tout clair qu'on y a là, n'a mieux apprécié compatriote nous, frère Josué Pierre. Quittez question dans les commentaires et puis à la prochaine pour une autre vidéo.